Bonjour, c'est moi, Bagnoleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est pour explorer la nouvelle carte Oasis. Comme vous voyez, nouvelle carte de contrôle Oasis. Qu'est-ce que c'est? Les 20 ans de Diablo. C'est pour le 20e anniversaire de Diablo dans Overwatch avec Citadel, une icône de joueur unique. D'accord, bon, moi j'aime pas Diablo, donc je m'en fiche un peu, mais bon. Ouais. Je vais quand même la mettre, elle est stylée. Attendez. Ah, je me trompe, je vais être dans 4 tout simplement. Ah, mais du coup, j'en mets plein des icônes là. Oh, bien ça. Elles sont où? Ah, voilà. Il y en a une ici. Les autres, je les vois pas. Oh là, j'en ai pas mal de récompenses, hein. Attendez. Encore? On sait quoi, je vais modifier ça après le temps qu'ils apparaissent. Pour la partie là, je vais juste. Ah, c'est bon. Attends, je vais modifier alors, c'est bon. Ok, alors. Ouais, bon, celle-là, je l'ai vue. Après, je sais pas où elles sont les autres. Vivi. Ça va être par là, non? Non, mais c'est bizarre, je les vois pas. Peut-être en bas. Bizarre. Je ne vois pas ces icônes de joueurs. Quel est ce délire? Bon, c'est tombé. Je vais rester comme ça alors. Ouais, non, en fait, je vais en jouer parce que c'est dans partie perso, c'est vrai. Hop là! Alors, du coup, on va essayer la nouvelle map Oasis pour voir comment elle est. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, ça, on enlève. C'est vrai qu'elle a l'air assez futuriste là. Ah oui, mince, vas-y. Ouais. Parfait, alors je vais mettre les capacités en illimité. Et je vais mettre aussi en échauffement. Tantôt, changement d'une chance, on s'en fiche. Attendez, sur les capacités, voilà, 0%, parfait. On met en échauffement et comme ça, let's go. On va découvrir ensemble la map. Échauffement. C'est parfait. Ah, ça a l'air vraiment futuriste. Parti. Alors. Oh, ah, c'est en Égypte. Stylé ça. D'accord. Alors je vais prendre. Y a du choix hein, pour les gadgets. Oh. Voilà, parfait. Comment avec Gideon on peut faire ça? Comme avec Pharah, sauf qu'en plus on peut grimper au mur, donc c'est encore mieux. Oh, je suis tout en haut! Bon, déjà, le spawn, stylé. Hein? Et que ça va dire. En plus, c'est bien parce qu'on peut aller loin en partie perso, ça peut être fun d'aller genre dans les fenêtres là. Voilà où je suis par exemple. Ça, c'est bien. Déjà, le spawn, il est stylé. Alors, aussi, on va voir si ça marche bien les tags. Ouais, là, bon, ok. Je mets mon tag ici. Non, on peut mettre les tags sur les murs. Alors, les voitures, déjà, stylé. Voiture futuriste. Ah, c'est des monoplaces, quoi. Oh, il y a le trafic! Sérieux, si? Nous tue ou pas? Ah, ouais. Ça, c'est stylé, ça. Avoir une map où on peut mourir à cause du trafic. Ça, c'est vraiment stylé. Alors, on va passer par là en essayant de ne pas se faire, tuer. Parfait, c'est bon. Ouh. Va-t'en. Voilà, partez. Vous aimez plus. Bon, alors, on va explorer un peu d'abord l'intérieur du palais. Bon, je comprends rien, hein, évidemment. Alors. Mur invisible, sérieux. C'est méchant. Attendez, il y a un truc là. Ah, c'est un gros bâtiment. Faut qu'on aille le voir après. Alors. Continuons la visite toujours à l'intérieur. Attendez. Ouais, c'est une plante normale.
Oh, dites. Wouh! Ça, c'est Halo. Ça, c'est des copieurs parce qu'ils font comme Halo. Alors, attendez, on va grimper là. Non! Non! Voilà. Ok. Non! Méchant! Ah, mais on peut pas aller dessus en fait! Ah, mais ça marche pas! Attendez, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Si, si! Putain, normalement, j'ai encore réussi à y aller là-dessus. Je sais pas, au pire, je vais prendre Farah parce que là, avec Gendy, ça commence à m'énerver un petit peu, ou même son bras. Je reste pas à y aller, attendez. Non, je vais quand même pas quitter. Je vais juste revenir au spawn, ou sinon je vais me faire tuer. Tuez-moi! Voilà, merci. Je vais prendre Farah, let's go. Mon petit tag, décoration, c'est mignon. D'ailleurs, je l'ai le mignon de Farah. Ayem soit pique. Bon, alors, est-ce qu'on peut aller dessus? Bon, là, on peut pas. On a la preuve. Ok, c'est bon. Hein, avec Farah, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'on peut aller là sur celui-là? Même avec son bras, c'est beaucoup plus simple. Avec Genji, c'est chaud en fait. Non, on ne peut pas. D'accord. Ah, là, c'est leur map. Là, c'est leur map. Ok. Bon, alors on va juste voir s'il y a quelque chose de spécial par ici. Non, c'est bon. Alors on va explorer la ville maintenant. Let's go! Donc, alors attendez, je vais essayer juste de voir si on peut aller là-dedans sans se faire renverser. Ah, mais une fois où il n'y a pas de voiture. Ah ouais, mais on ne peut pas y aller. D'accord. Et là, c'est la base ennemie en fait, je comprends, d'accord. Wow, la vue est magnifique. Non, on est obligé de suivre la route, on peut pas aller genre. Ah ouais, non, bon, tant pis. Ça dit quoi, genre, on peut pas aller voir la ville. Oh non! Mais c'est méchant ça. Oh mais non, c'était tellement beau! Oh ça c'est dommage. Franchement, ne pas pouvoir aller là-bas, c'est vraiment dommage. Waouh! Bon, je vais prendre son bras maintenant. Il m'a pas fait exprès de me suicider, je voulais juste aller dans l'autoroute. Pouah! Un petit peu déçu qu'on puisse pas aller dans la ville ni dans ce truc là en haut, c'est dommage. Il y a plein de murs invisibles sur cette map, mais au moins c'est stylé que les voitures puissent nous écraser. Donc j'aime bien, franchement, je trouve qu'elle est stylée. Mais à mon avis, je préfère toujours les chenolles pour le moment. Je verrai après si finalement elle est mieux ou quoi. Parfait. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Oh, quoi? Mais j'ai même pas le temps de faire mon émote. Genre. Attendez, il faut quand même que je fasse mon émote. Ou j'applaudis. Il faut que j'applaudisse ces développeurs pour cette map. Et bien quand même. Voilà. Alors je vous applaudis, développeurs. Voilà, bravo. Voilà. C'est une belle map. J'aime bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mince. Waouh. C'est bon. Je suis dedans. Parfait. Ah oui, je vous ai pas montré mon tag sur son bras. Bref, tag troll. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Bye!